Eh bien bonjour à tous mesdames et messieurs, Dieu de la macro, et ce soir pour vous, je vais vous présenter non pas une, mais bien deux astuces. C'est-à-dire deux astuces, mais qu'est-ce que c'est ces astuces? Ce ne sont des astuces qui vont vous permettre de gagner beaucoup de place, des gros gigaoctets en plus sur votre disque dur. Et ça, on aime bien ça nous, les gigaoctets. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous rendre dans votre dossier du monde de Warcraft, hein, qui moi situe sur mon disque dur Benji, mais ce sera certainement différent chez vous. Et ici, une fois dans le dossier de haut, vous allez voir des fichiers comme ça. Ce sont les fichiers de mise à jour. Et ce qui fait beau, c'est que sournoisement, comme ça, à chaque fois qu'il vous fait une mise à jour, il la supprime pas. C'est le mec, je sais pas, c'est comme s'il vous considérait comme un genre de collectionneur de mise à jour. Hein, donc, si vous avez le WoW de Pivania et que vous avez jamais été fouiné dedans vraiment, vous allez vous retrouver ici avec une liste de patchs qui fait la taille du Texas, comme j'aime à le dire. Hein. C'est énorme, c'est grand le Texas. Et ça, ça prend de la place sur votre disque dur, ça peut doubler la taille de votre putain de dossier de World of Warcraft. C'est mal. Enfin, si vous avez trop de place sur votre disque dur, c'est possible, mais j'ai vu des gars qui pouvaient plus télécharger de films sur Internet parce qu'ils n'avaient plus de place, alors qu'ils avaient 10-15 gigas de prix à cause des patchs, quoi. Non. Ah, y a quelque chose dans mon cœur à ce moment-là qui s'est... Bon, bref. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez pouvoir créer un nouveau dossier pour ne pas tout supprimer comme ça directement. Hein. On va faire un test avant, on va l'appeler comme on veut. Comme on veut, voilà. Et dedans, on va mettre nos patchs pour vérifier que le jeu se relance. Vous pouvez aussi aller voir ce que vous avez dans votre dossier update. Celui-là, moi je sais que c'est le dernier petit truc qui m'a pris. Je pense que c'est pour la prochaine mise à jour, donc je le laisse. De toute façon, il fait que 20 mégas, on s'en branle. Autant le laisser. Mais si vous avez des trucs lourds de plusieurs gigas qui sont là, qui font rien, qui s'ennuient, bah hop, vous les mettez dans votre dossier là. Vous essayez de lancer le jeu, donc je vais pas le faire parce que j'ai déjà essayé, ça marchait. Et ouais. Et si ça marche, et qu'il n'y a pas de téléchargement qui se lance ou d'horreur, dans quel cas vous remettez les trucs discrètement qui... Non, il voit rien, il voit rien. Je lui ai déjà fait le coup et là, il a rien vu. Une fois que c'est fait, bam, vous pouvez supprimer le dossier là. Et voilà, vous avez gagné plein de places. Vous avez gagné plein de places.